Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rugby 22. On est bien sûr en Division 2 maintenant. C'est le premier match de la saison si je dis pas de conneries. Normalement on va jouer contre le Stade Montois, ça c'est sûr. Avec mon équipe, hein, comme vous le savez, avec Antonio, Dutois, William C. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, je vous dis d'aller la voir. Parce que du coup dedans on voit que j'ai ouvert des packs et que j'ai eu pas mal de joueurs. Donc allez-y, mais pour l'instant on va se faire ce match contre le Stade Montois. Et on va voir après si on fait un petit deuxième match. Et on va parler bien sûr de l'équipe de France qui va peut-être réaliser le doublé face justement à nos amis anglais vendredi. Ça, ça risque d'être beau quand même. Jouer le grand chelem face à ces connards anglais. Alors ça, ça va être pas mal. Même si le match contre le Pays de Galles, bon, la première mi-temps était bien, mais la deuxième, on n'a pas vu le jour. Hein. Vraiment. Je sais pas vous si vous, vraiment vous avez été serein pendant la deuxième mi-temps, mais... En tout cas, si vous l'étiez, bah bravo vous, parce que moi, j'étais pas serein, hein, franchement. Vu la seconde mi-temps, on n'a pas un ballon, on a fait que défendre. On a, par contre, on a bien défendu. Alors ça, on va pas se mentir, sans faire de faute, sans rien, on a vraiment très bien défendu. Ça, c'est vraiment un gage de satisfaction pour Fabien Galthié et ses hommes. C'est vraiment sur le fait qu'on arrive à défendre sans faire de faute, efficacement. Vraiment, c'est quelque chose de beau. Allez, William C. William C qui a encore été énorme, moi, je trouve. Paul William C, le Montpellierin. Vraiment, il nous a montré toute sa classe dans les percussions, au soutien, même que ce soit au niveau des plaquages. Il a vraiment... Oh, la transmission de merde. Il a vraiment montré que le gars haussait son niveau de jeu quand il fallait. Et ça a été le cas face au Pays de Galles. Après, vraiment, on marque un bel essai. En première mi-temps, on a 2-3-4. 2-3-4 cases d'essai. On n'en met qu'une au fond. C'est un peu dommage. Mais après, on va pas se plaindre. Au Pays de Galles, faire gagner comme ça. 16-9, si je ne dis pas de conneries. 16-9, on aurait tous signé avant le match. Hein. Ça, c'est clair et net. Parce que bon, les Pays de Galles, enfin les Gallois, c'est pas n'importe qui, hein, Pays de Galles. Mine de rien, oh, Wookie. Avec Elstad. Golesio. Antonio. De Bruyne. Botia. Leeds. Oh, il avait réussi à échapper à un plaquage. C'est dommage. Botia. Oh. De Bruyne. Ah, putain, mais. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Faire le choix d'un lancement de jeu préprogrammé. C'est vrai. Et sur voilà, on récupère le ballon. Le comme les Français. On le récupère tout le temps. Elstad. Ballon bien gratté par la défense. Ah, ça pardonne pas le niveau de difficulté élevé, hein. Putain. Qui parvient à libérer malgré le plaquage. Elstad Montois, ils sont plutôt chauds, hein. Ce ballon. Prenons ce coup de pied de merde. Ballon capté. Allez, on va faire un contre-rock. Non, toujours pas. Non. Mais ils ont le vent dans le dos parce que. Belle prise de balle. Long jeu d'occupation. Allez. Là où ouais, ils ont le vent dans le dos. Du coup, on va arrêter de jouer au pied. Arrêter et les bêtises et aller en touche. Voilà. Bon, je suis en train de voir que j'ai pas du tout changé. Attendez. Rugby. Hop. Rugby 22. Que bien sûr, je suis sur Twitch. Hop, on enlève ça. Hop. Rugby 22. Et voilà, je suis tout à vous, messieurs. Messieurs, dames. Ce sera donc la première. Donc, ouais, je sais pas si vous êtes serein pour le match face aux Anglais, mais ce sera une belle bataille, hein, vraiment. L'équipe du lanceur conserve le ballon. Ça va vraiment être quelque chose, ce match. Samedi 21h, tous devant les télés, les gars. Va vraiment falloir porter tout notre soutien au 15. Oh, Moïfana, Moïfana qui se fait laisser tout seul. Moïfana, il est là. Il est parfaitement. Quelle action. Roy Cocotte qui va transformer ça tranquille. Mais ouais, moi contre l'Angleterre, j'ai peur parce qu'ils vont être revanchards. Ils ont perdu contre l'Irlande chez eux. Ils savent que bon, si on gagne, on fait le grand chelem. Et donc. On sait que c'est nos amis, hein, les Anglais, bien sûr, hein, nos amis, mais s'ils peuvent nous baiser, ils vont nous baiser, donc ça va être le problème. Il va falloir faire un match sérieux, bout en bout, pas de carton, surtout pas. Parce qu'on a vu que, bon, un carton du côté des Anglais, ça les a mis dans le mal tout le match. Le carton rouge dès la 82e seconde de jeu, c'est vraiment quelque chose qui leur a fait mal.
Oh ce bâtard, il m'a fait une feinte. Voilà, touche. Apparemment, c'est décidé. Ignace. Ça sera une touche à 7. Ballon, je la garde. Point de fixation pour l'attaque. Je voulais faire un maul. L'attaque conserve le ballon. Ah, j'ai pas attention dû. Au coup de pied de pression. J'ai pas dû faire ce qu'il fallait. Je crois que j'ai appuyé sur garder et non faire un maul. Propre du ballon. En tout cas, je sais pas si vous, chez vous, rugby 22, vous satisfait, mais pour l'instant, en tout cas, si je devais faire encore un avis, le jeu, ouais, fait le café pour un fan. Hein. Pour un amateur, non, je pense pas qu'il va vraiment se plaire dedans. Et quand on aime le rugby, on s'y retrouve. Le mode carrière, il est très simple, mais bon, voilà, il fait le taf. Sinon, après, voilà, hein, c'est pas aussi simple que le 20, je crois, c'était rugby 20 ou rugby 21. Allez, encore, encore. Encore, Moefana. Ah, dommage. Ah, ils ont perdu le ballon. Ah, j'ai perdu le ballon. Il se remet sur ses appuis pour contester. Voilà, direct. On va lancer Antonio. Non, c'est l'Olesio, non. Ils ont conservé ce ballon. Alors, est-ce qu'on fait une technique? Allez, on va faire une technique. Zone de croisée. La base avec Moefana. D'accord, déjà, la passe, elle est merdique. Et le ballon va sortir. Allez, je tape au pied au lieu de plonger dessus. D'accord, allez à moi. Ok. Ça vient, on soutient. Le jeu a encore bugué. Bon, il y a encore quelques bugs sur le jeu. Hein. Ça n'a pas tout été réglé, malheureusement. Mais bon. C'est pas à moins qu'il la touche, hein, le joueur du stade Montois. Mais écoute. Mais écoutez, messieurs, dames, je sais pas. Allez, je tape en 10. Avec l'Olesio. Avec Botia. Ah, dommage. Parviennent à la première. Oh, si on joue à droite, il y a un quoi faire. Non, je voulais pas Willem C, mais putain. Allez, on va jouer le défi. Allez, là, allez. Oui, là. Allez, on fait un ball. Allez, les gars, on y croit. Il faut juste mâcher le boulon. Le bouton, pardon, le boulon, rien à voir. On n'en lance plus, allez. Avec Livy, on va jouer avec les avants. Avec les avants, j'ai dit, avec Dobruin. Voilà. Toujours le contrôle du... Ah, faire une passe. Allez, pivot vers 13, une combinaison. La passe après contact. Oui, magnifique. Bah non, dommage. Oh, je méritais de marquer là-dessus. Leeds. Ah non, Leeds, dommage. Pas passé. Keito. Au contest pour ce ballon. Hop, l'Olesio, on va jouer dessus. Avec du toit. Ah mais, par contre, en difficulté difficile, les mecs ils louent pas un plaquage, hein, c'est un truc de dingue. Regardez ça comment je recule, quoi. Et je vais perdre le ballon, hein. Et oui, je perds le ballon. C'est Daro qui fait circuler le ballon. Pied plaqué. Il passe le ballon. Il tape pas en touche. Une mêlée spontanée se forme. Et c'est un turnover. Allez, nous on y va. Avec Koki, il y a un 2 contre 1. Et voilà, et Leeds. Bien joué. Bien joué Cameron et Killing Leeds. Qui va l'essayer. Bon bah écoutez, je prends, hein, même si. Ils se sont imposés sur cet essai. Très beau. Même si c'était pas conventionnel. Ah, j'ai tapé trop fort. Est-ce qu'il va la rentrer, Cocotte? Non, elle est trop à gauche. Oh, à gauche. Bon, en mi-temps. 12. 12-0, c'est plutôt pas mal. On va pas se plaindre. Par contre, le talonneur, toujours. Enfin, le capitaine. Qui fait les renvois, ça m'énerve toujours. C'est un bug qui date depuis le début, ils l'ont toujours pas corrigé. Je pense que ça prendrait pas des heures à le corriger, mais c'est un petit truc qui enlève de le couche à gauche. Parlez un petit peu de simulation, quoi. Ça se voit que c'est pas du travail d'amateur, mais c'est pas un gros studio qui le fait, quoi. Que cette erreur là, vous imaginez. Dans FIFA 22, tous les coups d'envoi sont faits par le gardien et le défenseur. Ouais, ça fait tâche quand même. On va revenir à cette touche à 3. Allez, on va la claquer celle-là. Oh là là, il y a une oh oui, Rui Cocotte, l'Olesio, Cameron Wookie pour le troisième essai. Eh oui, ah, c'est vrai que j'ai des joueurs cheatés pour la division où je suis, mais quand même, on joue bien quand même, je trouve. Je veux pas me lancer des fleurs, mais quand même, on joue bien. Allez, Rory Cocotte qui passe la transformation. On est à combien? 19-0. Ouais. Allez, Rory Cocotte, on va jouer loin. J'ai peur que ça. Non, ça va pas aller à la réception. À la limite de l'embute. Du coup, on va aller dessus. Et ça finit dans ses bras. Avec Leeds. Le 2 contre 1 avec du toit.
Bon, il faut dommage. Ça va pas passer. On va faire une tactique. Tiens. On va faire lesquelles? Vers l'aile. Allez. Parce que c'est. Avec l'Olesio. Botia, non? Belle exécution sur ce. Oh, Nayas Salimou qui a failli aller. L'Olesio, non? VMC, Botia, on veut jouer à l'aile. Mais non, fallait aller à l'aile, bande de cons. C'est moi, hein, bien sûr. Hein. Ils ont toujours le contrôle du ballon. Mais les joueurs, les pauvres, ils sont pour rien. Ah, Roy Koukot, je voulais partir au ras. C'est bien, il y a du soutien. Ils ont. Il fait perdre de ballon. Non, c'est... Allez, on va faire quoi? Un pivot vers 13. Allez. Ah, on y va. L'Olesio. Avec Moefana, non? Allez, la passe est dégueulasse. Moefana. Antonio. Botia, d'accord, ok. Bah, dans le désordre, on marque, hein, les Vanni Botia qui est toujours là. Putain. Ah, ça c'est beau. 24-0, ça va faire 26-0. Bon, c'est vrai que bon, on roule un peu sur le stade Montois, c'est normal. Vu mon effectif et tout. Dessous, non, dessous, je la perds. Alors c'est X pour récupérer les ballons sous les chandelles, faudrait que je m'en souvienne. J'appuie souvent sur Y. Grâce à ce bon contest, il récupère le ballon. Et hop, on va jouer au pied, on va se dégager loin. Ray Cocon. Récupération de Laoussas Piassou. Laoussas Piassou, d'accord, il y a même des. C'est bien qu'ils citent un peu tous les joueurs, il y a même des joueurs du Stade Montois. J'aurais jamais pensé qu'ils citent certains noms des joueurs du Stade Montois. Ouais, ça a sorti en ballon mort, non? C'est bon, ça va, ça reste dans l'air de jeu. Il capte bien. Keito, oh là, on va foncer droit devant. Keito, oh oui! Non, dommage. Je croyais que ça allait passer. Quand il joue à droite, il y a peut-être quelque chose avec PMC? Non? Non. D'ailleurs, salez-vous! Ouh, dommage. On va jouer avec Antonio L'Olesio. Bon, il y a cathédrale, non? Je crois qu'il y a eu une cathédrale à effectuer. Allez, avantage, voilà. Carton jaune pour Leandro Chiedaro. Regardez, la faute est évidente sur ouais, la faute, on l'a vu en direct. Hein. Carton jaune contre Cédaro. On l'a vu, il l'a soulevé. Roy Cocotte, le gaucher. Une touche à 5 mètres. Ballon mort. Non, ballon mort. Non, vas-y, l'erreur. Oh, par contre, il n'y a même pas un drop. Récupération de... C'est quoi ce truc? Coup de pied très haut dans le ciel. Oula, oula, oula. Piassou, à la réception. J'ai failli la récupérer. Il y a Salez-vous, Woki. Qui s'est formé. Allez, avec l'Olesio, ça joue derrière, avec les avants de Brune, William C, Unia Antonio, Keito. Oh, là, il a oublié de faire la passe, Keito. Olid. Leeds qui va marquer, oui. C'est ça qui est beau. C'est vrai, cet essai leur fait prendre le large au score. Ah, je sens qu'elle va pas passer celle-là, avec le vent. Ah si, ça passe. Auré Cocotte, parfait. 3-3-0, ouais, ça devient un petit peu facile. Je vais peut-être augmenter encore la difficulté, mais je sais pas dans quel niveau de difficulté je suis déjà. Normalement, je suis en difficile, alors ça a pas changé depuis les premiers lives. Mais bon, après en légendaire, j'ai peur que ce soit vraiment injouable. Belle prise de balle. On verra bien. Chandelle. Oh la chandelle de merde. Mais y'a personne dessous. Y'a plus beaucoup de soutien. On va jouer à droite avec l'Olesio. Il va prendre l'intervalle. Avec Botia. Avec Cameron Wookie. Oh, je me loupe dans la passe. Ça va être un ruck. Et il subtilise le ballon. Voilà, on prend le ballon. Avec l'Olesio. Keito. Echtad. Antonio. William C. Ah, William C. rattrapé à la limite. Ballon extrait par. On va jouer à gauche. Le 2 contre 1. Cocotte pour Leeds. Et oui. C'est magnifique ce qu'ils ont fait sur cet essai. Mais quelle action. Ça en devient un petit peu ridicule tellement c'est facile. Mais écoutez, pour l'instant, je prends. On verra plus tard si je changerai la difficulté. En tout cas, 40-0. Il reste 10 minutes de jeu. Bon, bah, on les enfonce. Mais bon, on joue le Stade Montois après sans manquer de respect au Stade Montois. On joue pas un Toulouse, un Toulon, un Montpellier. Voilà, ballon mort, c'est ce que je craignais tout à l'heure. Oh non, c'est quoi ce bordel? Pourquoi? Normalement, il y a mêlée là où j'ai tapé. Et ils ont pas lu les règles. Les gars, si vraiment vous voulez plaider sur un jeu de rugby, même appelez-moi, je fais ça gratuitement. Je vous propose même pas de tarif, voilà, on fait ça entre amis. Juste pour avoir un jeu de rugby cohérent, quoi. Leeds, le crochet. Mais c'est un plaquage, non, pas au deuxième. Allez, l'Olesio, on va jouer avec les avants derrière. De Bruyne, Antonio. Ah. Le sens d'Antonio, ça a pas payé.
le code De Bruyne est laissé. Isabeau De Bruyne. Ils augmentent leur avance avec cette action. C'est vrai, ils dominaient 45-0, déjà la partie, voilà. C'est une branlée, une lélé. C'est une branlée. C'est dedans. Allez, 47-0. Le stade est à un feu, hein. Ballon capté par Cocotte. Le ballon. Allez, on va essayer de relancer. Teito. UMC, bute-toi. Leeds. Ah, dommage. Ballon toujours en possession. On va essayer de marquer un essai de 80 mètres, pourquoi pas. Passe mal ajustée. Ok, Moefana. Oh, quel plaquage. Ils ont récupéré le ballon. Et on entre maintenant dans les joueurs du stade Montaud ont récupéré le ballon. Au conteste pour ce ballon. Voilà, voilà. C'est quoi, on va aller directement en touche. On s'en fout, parce que là c'est fini. 47-0, c'est vraiment une branlée. Allez, des points. L'ancien joueur français détient le record de points inscrits de sa carrière au cours du tournoi des 6 nations. On a un peu de... J'aurais dit Yajvili, moi. J'aurais dit Yajvili. Ouais, c'est Yajvili. La Yash. Et bon, moi, bon, je l'aimais bien. Ce Dimitri Yajvili, franchement. Et ouais, il va dire, allez, on passe le match amical. Et en plus, c'est contre Grenoble. Ah, bah parfait. Contre le FCG, mon club. Quel joueur a été élu meilleur joueur de la saison 2020-2021 en Pro 14? Omaoni, Kodze, Kouini. Ah, John Kouini. Je veux dire Omaoni. Ah non. C'est Marcel Kodze. Allez. Match passe au FECG. On va attendre. Voilà, Moefana dessous. On va se dégager. On va faire une première mi-temps tranquille. On va prendre la température. Normalement, c'est Ange Capozzo, hein, qui a marqué un doublé pour son premier match avec l'Italie en étant remplaçant. Ça, c'était pas mal aussi, hein, pour le français, l'Italien, pardon. Il n'est pas français, il est italien. L'attaque conserve le ballon. Ange Capozzo, le phénomène d'ailleurs, qui va jouer au Stade Toulousain la saison prochaine. Même si moi, j'ai peur de son choix de carrière, je le comprends pas trop. Et le ballon va sortir. Parce que ça va être bouché quand même au Stade Toulousain. T'as Ramos, t'as qui... Ils ont signé Gémier, si je dis pas de bêtises. Donc ça va être rempli de monde, je vois pas sa place. C'est vrai que ça va être compliqué. Ah, en avant. Ah, là, de boîte. Franchement, je vois pas sa place. Si vous avez des idées pour me dire où est-ce qu'il pourrait jouer, dites-le moi, parce que franchement, je Capozzo au Stade Toulousain, j'ai du mal à croire à une bonne, un bon compromis pour les deux, quoi. Je vois pas son temps de jeu être vraiment efficace. Que t'as du monde au Stade Toulousain quand même. Et avec Escande qui a introduit ce ballon, mais la mêlée grenobloise est en train de souffrir. Comme dans la vraie vie, elle souffre la mêlée grenobloise. Allez, on va jouer à gauche. On va aller à droite, regardez, on renverse. Ah non, je vais pas jouer avec les avant. Mais c'est pas grave, on va jouer. Par contre, ça va gratter le ballon. Et oui, ils l'ont récupéré, normal. Les transmissions sont bonnes. Belle passe après contact. Par contre, dommage qu'on ait pas le nom des joueurs dessous. J'aurais aimé savoir qui sont les joueurs du FCG, mais là je pense que c'était Dupont. Allez, ils ont dû le mettre. Ils récupèrent le ballon. Le capitaine Grenoblois, souvent. Je dois. Allez, avec quel stat le décontre, on va le jouer. Pour Naya Salemou. On va jouer au pied pour soi-même. Non, ça a été pris. Ah, Naya Salemou, malheureusement. Ça n'a pas marché. Oh, il y a un petit trou, il y a un petit trou. Orio Cocotte. Ah, il a échappé un plaquage, mais pas deux. On va jouer derrière avec l'Olesio. Pour Winnie Antonio. Ah, il n'a pas pu passer les bras. On va encore jouer le même sens avec Botia, avec Willem C. S'il va derrière, oui, il y a Leeds. Leeds qui va marquer le premier essai. Premier essai face au FCG, signé Leeds. Henri Cocotte à la transformation. Normalement, ça devrait le faire. Ça passe, voilà. Henri Cocotte, ça passe tranquille. Oula. D'accord, Lévy. Ouh là là, il y a un problème. Sous les jeux au pied, il y a vraiment des soucis quand même. Allez. Capter le ballon. L'interception de Wookie, elle est belle. Ah non, par contre, je la perds direct. C'est pas beau ça. Ce n'est pas beau. Ça joue avec les avant. Ils vont contester ce ballon. Ça va être massif et voile au trail, s'il n'y a pas de bêtises, du côté du FCG. Ça circule bien. Ils ont voulu. Oh. Oh là là! Alors, j'arrive pas à les faire les 360, je m'en souviens plus. Je l'ai fait une fois, mais je m'en souviens plus du tout comment on fait. Enfin, la toupie ou 360, hein, comme vous l'appelez, hein, vraiment. Il y a vraiment qu'on veut. Il se déploie bien, hein.
les joueurs du FCJ, franchement, là, sur les extérieurs, il n'y a pas de coup. À part la Aura, Cocotte, Lille. Ah oui. Ah oui, Leeds. Dillian, Willis. Ou Dillian. Je ne sais pas comment le dire. En tout cas, c'est Leeds. Il marque un deuxième essai. Il va falloir que j'augmente la difficulté, je pense. Ah, celle-là, elle passera pas. Elle passera pas entre les perches. Elle passe ici. Rory Cocotte, 14-0, 21 minutes de jeu. On prend. Alors ça, ça m'énerve. Regardez ses problèmes. Et... Bon, je disais que j'aimais bien le jeu, mais il a quand même des défauts agaçants. Vraiment. Et encore, j'ai pas joué au multi, mais il faudrait que j'essaye parce que je pense que c'est. Ça doit être une expérience où tu dois souffrir, je pense. Jouer en multi à ce jeu. Ça doit être quelque chose. Allez, Tecto avec l'Olesio. Winnie Antonio de Bruin. Un avantage. Allez, voilà. Steve Blanc Mapaz. Carton jaune. Le numéro 7, grenoblois avec son casque rouge. Probablement pas content d'avoir pris ce carton jaune. Petite pénalité. Mérité 10 minutes sur le banc. Allez hop. Petite touche parce qu'il y a le vent. Est-ce qu'elle sort? Non, elle sort pas. Bon, heureusement que ouais. D'accord. Ils ont fait une connerie derrière. Et il n'y a 7. Ah, faut attendre le dernier moment. Normalement, je suis pas mal. Et oui. Là, on va avancer en maul tranquille. Alors, par contre, d'où c'est le numéro 15 qui vient faire l'introduction. Enfin, qui vient faire le numéro 9. L'introduction. Rien à voir. J'ai dit que de la merde. Allez, hop, passe. La défense. L'Olesio. Botia. Bah là, il y a un trou là. Là, il y a un trou là. Pour Paul Willem C. Et oui, Paul Willem C qui va essayer. Troisième essai. J'ai l'habitude de dire grenoblois parce que je joue en carrière avec Grenoble dans d'autres jeux. Mais magnifique essai des guerriers. Malheureusement, on ne pas choisir le nom de son équipe. Ça aussi, c'est un problème. C'est un réel souci de ne pas pouvoir choisir le nom. Allez, Cocotte. Hop, voilà, jouer long. Un ballon joué au pied qui va leur permettre 50-22. De leur 22 mètres. Normalement, 50-22. Mais est-ce que le jeu prend en compte le 50-22? Eh oui, il prend en compte le 50-22. Ça, c'est pas mal. Complète. Allez. Je sens que je vais la prendre. Regardez. Bien sûr, je me la fais prendre. Bah oui. Eh oui, je me la fais prendre. Jeu au pied d'Escande. Eric Escande. On voit plus trop jouer du côté de Grenoble. Mais bon, écoutez, il est là. Teito, Teito pour l'Olesio. L'Olesio, non. J'ai pas le droit de manquer ça. Ah, Naya, salez-vous. On va extraire le. J'ai pas le droit de louper cette case. L'Olesio. Allez. On va encore jouer. Hein. Il y a Tonio, Livy pour Botia. Botia pour Lille. Crochet gauche. Oh, le magnifique crochet. Oh, oh, oh. Qui s'est capoteau, il s'est pris encore. Un beau petit cul là, franchement. Avec cet essai. Allez hop. Oui, il faut jamais se relâcher. Chose ça fait 26, ça fait 28. 4 essais en première mi-temps, ouais. Oui, impeccable. C'est un peu trop simple, il va falloir que j'augmente la difficulté. Hein. Parce que là, c'est plus possible. Ok, encore des problèmes. Oh là là, je perds le ballon. Sous le ballon. Ils ont bien bataillé, récupère le ballon. Allez, Isabeau de Bruyne qui joue au pied, on s'en fout, on s'en bat les couilles là, vraiment. 28-0, on a gagné, on a le point de bonus offensif. On s'en branle. On y va à fond. Ils ont soigné la conservation du ballon. L'attaque va nous proposer une allez. Combinaison. Pour avancer on va en touche. Voilà, Rory Cocotte. On balance ça comme ça vient. Nous voilà donc au terme. Et on attend la seconde mi-temps. Tous mes joueurs sont en forme. Donc on fait pas de changement. Isabeau de Bruyne, comme je vous dis. Le capitaine qui fait le renvoi, c'est normal. Qui marque le début de la seconde mi-temps. Ah, ça m'énerve, il n'y a pas un vrai bon jeu de rugby. Ouais. Depuis rugby 08, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Même rugby challenge, c'était bien, mais c'est pas non plus parfait à 100%. Bon. Voyons comment ils vont négocier cette touche à 7. C'est dur, fan de rugby, on prend son mal en patience et... Il sort victorieux. J'espère qu'un jour nous vivrons des jours meilleurs. Passe après contact pour... Heureusement, je peux rien dire d'autre. Parviennent à conserver le ballon. Hop, allez, l'Olesio, il y a un trou. Il y a de l'espace sur l'extérieur. Ils veulent faire allez, Winnie Antonio, lead. Voilà, lead. La défense ne couvre pas bien les extérieurs. Allez. Oh, je marque pas. Ils ont toujours le contrôle. Mais sérieux, bah attendez, on va faire une. Qui vaut vers le 13.
Allez. On est en place, c'est parti. Il passe la balle. Il est mis au sol. Bon, ici, ouais, ok. On va la faire. Tant pis. Très bien défendu. Ouais, c'est bien défendu pour une fois. Pour une fois qu'ils ont bien défendu les Grenoblois dans ce match. LMC, Wifana, Botia. Oh, ça va directement sur Mike Salimou. Et on a laissé le cinquième au bout de 7 minutes de jeu. C'est une branlée encore une fois. Oula, j'ai un peu abusé. Je pense que celle-là elle est ratée. Hein. Vraiment. Eh non, elle est vraiment dégueulasse. Le coup de pied, putain, ouais. Il était horrible. Alors le ballon, déjà, il fait pas 10 mètres. Alors, je le prends parce que je suis gentil, mais. Déjà, il fait pas 10 mètres normalement le. Ballon bien capté. Le coup de pied. Nouveau point de fixation. Hop. L'attaque conserve le ballon. Comme leur jeu, les hors-jeux, ils sont attention, pas trop voilà, quelques soucis. Hein. Je pense que ça, c'est un bon jeu à 20 euros à Rugby 22. Mais au prix où ils l'ont vendu d'entrée, 40 euros là, c'est un peu cher. Ça lui excuse pas tous les problèmes. Il y a Tonio, Livy. Ah, dommage. Parviennent à conserver le ballon. Allez, je sais plus qui c'est mon œuf. Je crois que c'est toujours le même. Je suis les pas sûr. Forment une mêlée spontanée. LMC vient essayer de contester. C'est qui mon œuf? À la distribution du jeu. Ah, c'est Cocotte, mais oui, je suis bête. C'est plus. Face au contact pour Botia. Oh, oh, dommage. C'est vrai, ils ont dû bien travailler cet enchaînement à l'entraînement. De Bruyne, souci. Hein. Ah, pour dire que c'est un peu trop facile. Oh, le ballon mort, non, ça reste comme ça, nickel. Vraiment, c'est Ange Capozzo. J'espère que c'est lui, sinon j'ai dit des conneries. Il ne tremble pas sous le ballon. Allez. Ballon bien haut, c'est une chandelle. Ah, Ange Capozzo solide sous la chandelle. Il faut venir au soutien. Superbe contest pour récupérer. Voilà, on va jouer à gauche, non? À gauche, t'avais dit. Oki, Keito, Edgestat. Un ruck annoncé. Il se fait avoir. On va jouer avec Dutoit. Il se remet sur ses appuis pour contester le ballon. Pas. Olesio. Avec Teito, Livy, pour Botia. Là, il y a Salez-vous. Le crochet à gauche. Non, ah, il n'est pas passé. Vous avez vu, il y avait la tentative, mais pas passé. Woki, Olesio, Antonio, Dutoit, Wefana, Teito, Botia, Leeds. Ah, il n'y a personne. Oh, heureusement. Ils ont toujours le contrôle du ballon. On va partir petit côté avec Botia, ça va passer, bah oui. C'est trop facile, franchement, c'est trop simple. Que dire de plus, ils étaient c'est vraiment trop simple. Au score, les voilà qui enfoncent le clou. Tout à fait d'accord. Allez, ça passe entre les poteaux, 47-0. C'est vraiment là, ouais, il y a pas de rien à dire. Ça a pas fait 10 mètres. Engagement incorrect. C'est Thomas Fortunel le 10, d'accord. Fortunel qu'on n'a pas beaucoup vu à Grenoble. Hein. Les deux équipes. C'est souvent Romain Barthélémy, donc ouais. On l'a pas trop vu Fortunel malheureusement. Ancien joueur de Montauban, si je dis pas de bêtises. Ah, j'ai loupé. Loupé aussi. Regardez le travail dans l'axe du paquet d'avant. Allez, on va essayer de prendre le ballon. Oh. Récupération propre du ballon par les avants. Ça va jouer avec le on va jouer avec le 8. Avec Teito. Teito qui passe. Dans le vent. Ah, j'ai failli. Ah, j'ai mal donné pour Botia. Ah, j'aurais pas dû faire cette bêtise. Nice, allez-vous, non? Oh, le crochet à gauche, il est magnifique. Cocotte. Ballon bien gratté. Ah, ballon gratté. Eric Escand pour le jouer. Ça avec les avant. Alors, je vois pas qui c'est le. Ils ont soigné la conservation bon. Du ballon. Et les avant forment un rock. Belle séquence défensive. Voilà, on récupère le ballon avec Rui Cocotte. Dutoit. Ah, j'ai pas pu la donner à l'Olesio. Conserve le ballon sur ce rug. Oh, Rico Cotte. Oh, il y a hors-jeu là. Là, par exemple, vous avez vu, normalement, il y a hors-jeu. Il n'était pas derrière les pieds et le jeu l'a pas compté. Oh, le crochet de Yass, allez-vous. Oh, le deuxième. Oh, dommage. Oh, il méritait de marquer là-dessus. Regardez, pareil. Là, il y a encore hors-jeu. Putain, ça m'énerve. Il est à la fois bon mais énervant quand même. Ils ont bien bataillé. Il y a quand même des soucis. Winnie Antonio. Moifana avec Leeds. Et oui, Dylan Leeds. 52-0. Putain, ouais, non, ouais, c'est un peu abusé. C'est vraiment abusé. Cet essai va les éloigner encore plus de leurs rivaux. Exactement, Eric. 52-0. Oh. 54. Ouais. Bon, on va garder le ballon et taper en touche. Hein.
Parce que bon, 54-0, c'est en difficile en plus, c'est même pas... Je pense facile quoi, on ira regarder la difficulté si vous voulez avant de se quitter. Et ouvrir quelques packs que j'ai eu, je crois. Je crois que j'ai eu des packs. Et on va donc assister à une touche. Touche rapide, allez, non ? Ligne à 7. Les deux équipes bien en place pour cette touche. À... Voilà. 7. Eh, d'où j'ai pas le ballon ? Démarre avec un groupé pénétrant. Bon, je pensais avoir pris le ballon, hein, mais bon, tant pis. Plus que allez, ils avancent pas du tout, hein. Voilà au terme des 80 minutes. Et scande, tape en touche, t'en supplie. Termine-moi ce match parce que là, il n'y a aucun intérêt. Voilà. Par la défense. Voilà, touche. C'est terminé. Victoire 54-0 face à Grenoble. Bon, bah, une branlée encore une fois. Hein. Rien à dire. Jusqu'en 2000, jusqu'en 1888, combien de points a porté un essai ? 4 ? C'est 0 ? Improbable. Comment tu marquais les points du coup ? Ouf, d'accord. J'aime bien les petites infos comme ça. Prochain match, ça contre Bayonne. Au classement, on est largement premier avec 101 points marqués. Et 0 encaissé, 2 bonus offensifs, 10 points. Et après Bayonne, bien sûr, sera là. Hop. Juste, on va voir. Hop, hop, hop. On va voir les options. Option RS. Difficulté, vous voyez, je suis en pro. Faudrait que je passe en légende. Je me mettrai en légende pour le prochain. Voilà, on va le faire là. Et est-ce que j'ai gagné des trucs bien ? Ouais, on va essayer. Là, j'en ai un. Dans la grille, non, j'en ai aussi un autre là. Voilà, là il n'y en a pas d'autres. Il y en a ici, il n'y a pas de pack, non, il n'y a rien. Là il y en a un, touche rapide. Allez, on va s'ouvrir des packs, des planificateurs, comme à l'entraînement. Et après, ici il n'y en a pas dans la grille. Il n'y en a pas. Hop, on va ouvrir dans ma collection mes boosters. Normaux, on va faire les normaux une étoile, ça va être de la merde, mais on s'en fout. Allez, personne de connu. Hop, on va faire dans les arrière mix, 2 étoiles, tiens. On va se faire ça. On a Maxime Delonca, tiens. Mais c'est un talonneur, c'est pas un arrière. Antoine Gibert, Jude Ross, Otis Dixon, Ken Owens, 84, pas mal. Pas mal dans ce pack, mais bon, c'est pas des... Normalement, c'était des arrières, mais bon. Allez, supérieur, on va faire 2 étoiles. On a Bilal Tayeb, l'ancien d'Oyonnax, si je dis pas de bêtises, le flanqueur. Donc rien de ouf pour terminer ensemble. Bon, sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives. N'hésitez pas à aller sur Twitch ou n'hésitez pas à aller sur YouTube, ceux qui sont sur live. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao tout le monde!